Il les montre quand même. Hein? Il doit te montrer une pipe. Là. Non mais là, il ne te montre pas de pipe. Il y a toutes les échantillons. Il faut qu'il descende. Excuse me. 69 par 11. Il n'y avait pas de calice. Pas pour que ça pas. Bon. J'ai trouvé les différences. Ça. Mais moi, il y a de la gueule qui c'est 100, ah oui. 125. Mais moi, il y a une chose qui est là. Non, il y a un peu de la bourse pour que tu aies à 2h30 de l'autre. Ils sont pas des pipes. Qui c'est? Il est là. Non, ça, c'est de la pacotille. Voilà. Non, ça, elle est déjà passée. Voilà. Ça, c'est pas des pipes. Et ça m'a. Je voulais aussi les nettoie-pipes armées. Plus on sera nettoie-pipes. Oui, il y a. Et tu as filmé le taxi avec mon nom, non? Je vais filmer tout aussi. Tu as oublié. Ben, chacun doit avoir un petit plaisir. Ouais. Moi, je suis victime de bonnes choses. C'est des chasseurs de primes. Was it supposed to start at 7? Yes, yeah, that's what. But they were just waiting for it. It's 7:30. Yeah, no, but that's what. Ça devait commencer à 7h. Il est 7h30. Ah. Je ne dis que si on ne te nourrit pas, tu as menacé d'aller en grève. Oui, oui, je dirais que la fin. I think so, yeah. Okay. So we have the dinner with Galen. With Galen? Yeah. Yeah, it depends on what they offer. If it's good, yes. It's good. It's French food. Oh, okay. Okay, sure. On va où? Si on va dîner avec eux dans un restaurant français. Ah, c'est ça. Okay. Yeah, c'est pas un restaurant anglais. Est-ce qu'il y a un restaurant anglais? Restaurant anglais. Oui. Fish. Oh, I'm sorry to say that. Yeah, I was going to say fish and chips. But I look behind, I'm surrounded by British, so I'm better to say that. What's the precision of the brand of interest? It's a common brand of photographer. Tout ce qui regarde du fou. Ça va, c'est bien sorti là? Oui, c'est bien. J'ai vérifié. Il va jusqu'au Mali, il revient avec les chaussures. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte? Non, non, monsieur, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que la maison est scellée. La maison est scellée. Personne n'a le droit d'y accéder, sauf nous, la sécurité et l'avocat.
Dès qu'on l'a opéré au mois de fin décembre, début janvier, et puis les médecins disent qu'il ne passerait pas l'année 2000, ils ne pensent pas qu'il passerait l'année 2007. Après l'opération. C'est ce moment-là qui est plus dur pour moi. Bon, je voyais qu'il avait des projets, il avait son film à terminer. Quand je pense à ce que les médecins ont dit, qu'il ne passerait pas l'année, et que lui, il avait des projets à faire, c'est vraiment mal. C'était des moments très durs. Nous avons grandi ensemble, nous avons été en France et par moments nous étions séparés et pour des raisons diverses, mais sans jamais perdre le contact. Il était bien aimé dans toute la famille, il faisait tout ce qu'il devait faire dans la famille. Il était ami de notre maman. Lorsque le temps qu'il avait amené notre maman à la Mecque, ce n'était pas comme c'est maintenant, c'était dans les années de 60. Il aimait beaucoup sa mère. Comme il savait que beaucoup de l'argent. Et il confie beaucoup de l'argent. Je crois que si c'est retiré dans cet endroit qui nous accueille aujourd'hui et qui nous est si familier, c'est bien parce qu'il recherchait cette paix, cette tranquillité sans laquelle il n'y a pas de création possible. Il disait que l'Afrique, c'est le centre du monde. Il faut se mettre dans la tête que nous ne sommes pas la périphérie. Nous sommes le centre du monde. Et c'était ça de sa lutte. L'Afrique. C'était ça. Moi, l'Europe n'est pas mon centre. L'Europe est une périphérie de l'Afrique. Vous voyez, ils sont restés plus de 100 ans chez moi. Ils n'ont pas parlé ma langue, je parle leur langue. L'avenir, pour moi, ne dépend pas d'être compris par l'Europe. Je souhaiterais qu'ils me comprennent. Mais ça ne me fait absolument rien. Ces hommes incapables de diriger nos peuples, populations, incapables d'avoir le projet de société, et qui, déjà élus, bon, la première chose à faire, c'est d'avoir des maisons et des appartements, des villas en Europe. Une journée pas comme les autres. Nous sommes à la morgue de Dakar. Il est 14h15 de ce lundi 11 juin 2007. Les gens viennent, sortent. Ce sont des inconnus pour moi. Cependant, nous sommes tous là pour la même cause. Préparer le grand départ de notre Kor Hossein Ben Ousmane dans sa dernière demeure. Merci.
Les vedettes, pardon les stars, pardon les politiques, sont là avec leur sourire. Les photographes, les caméramens, les journalistes sont présents. Il y en a qui ne ratent aucune occasion. Une journaliste américaine me mitraille avec son appareil photo. Les politiques donnent des interviews sur la carrière de Sam Ben. Chacun va de son mea culpa. Tout le monde dit Sam Ben était un grand. Sam Ben était un grand, mais personne ne sait dans quelles conditions pénibles Sam Ben est mort. Les journalistes reviennent à la charge devant ma caméra. Celle-là veut s'entretenir avec moi. Le protocole m'appelle. Je me dois d'accueillir avec les autres dignitaires le Premier ministre sénégalais. Après, vous le verrez. Vous avez tout le temps, s'il vous plaît. Vous me laissez une minute, simplement. Laissez-le moi une minute. Je ne vous dis pas le nombre de hauts dignitaires présents. Des cinéastes, des écrivains, des musiciens, des architectes. Et tous les artistes confondus. Sam Ben aura vécu malgré tout ce Salam Alek. Un seul constat. Aucun chef d'État n'a fait le déplacement. Cependant, Sam Ben aura donné sa vie pour l'Afrique. Je pense que Sam Ben est un créateur exceptionnel, un grand lutteur, quelqu'un qui fera parler de lui dans 100 ans. Pour ça, parler de monument, je crois qu'il l'est déjà. Et ce monument-là, il va rester longtemps dans nos esprits. Merci. Oui, oui, allez-y. Le passage.
Un bout de bois de Dieu a fini de se consumer. Samedi, à 84 ans, Sam Ben Ousmane, l'un des plus grands cinéastes du continent, s'en est allé. The End, comme pour signaler la fin d'un film. L'homme à l'éternelle pipe coincé entre les dents a quitté ce monde pas toujours beau à voir et à montrer. Pourtant, durant au moins un demi-siècle de sa vie, il s'est évertué à donner à voir par la plume et par l'image le dark side, le côté pas toujours rose de ce monde. En 1956, il publie « Le Docker noir », roman dans lequel celui qui est arrivé clandestinement à Marseille raconte son existence dans le microcosme portuaire. Dès l'année suivante, il écrit « Ô pays, mon beau peuple », œuvre dans laquelle il raille certaines traditions ancestrales. C'est que Sam Ben a toujours été un homme du refus, de toutes les formes d'aliénation interne comme externe à la culture noire. Dans « Kala » et « Galoir », d'autres productions de Sam Ben, tradition et modernité, mise en relief par l'auteur, s'entrechoquent et les paradoxes ne manquent pas. Au moment des indépendances, Sam Ben Ousmane publie son chef-d'œuvre littéraire « Les bouts de bois de Dieu », un roman inspiré de la grande grève des cheminots de Dakar, Niger. Injustice, lutte des classes, violence du colonialisme, courage, lâcheté, faim, misère, conditions de la femme, polygamie, autant de thèmes chers aux natifs de Zingershore qui vont défiler à travers les pages du roman. Pourtant, Sam Ben, autour de la quarantaine, se détourne quelque peu de la littérature pour le 7e art, qu'il ira apprendre à Moscou. Le cinéma soviétique d'essence révolutionnaire était en pleine extension et convenait parfaitement au tempérament de Sam Ben. L'homme savait que cet art pouvait mieux participer à la prise de conscience populaire en Afrique, plus que la littérature interdite aux analphabètes. D'ailleurs, il portera par la suite l'essentiel de son œuvre littéraire au cinéma. En 1962, il signe « Borom s'arrête », un premier court-métrage relatant les déboires d'un charretier en ville. « La Noire de », produit en 1966, est à marquer d'une pierre blanche. C'est le premier long-métrage de Sam Ben. Mandabi, Emitai, Kala, Kando Charoy, Gelwar, Fatkine, Molade sont quelques titres majeurs de la filmographie riche de Sam Ben Ousmane. On n'oublie pas Tchedo, de la fin des années 70, interdit par Singer officiellement pour une question d'orthographe. Sam Ben avait mis 2D au mot, un de trop pour le président, ou alors le réalisateur était-il allé trop loin dans la dénonciation des clans maraboutiques. Sam Ben était un convaincu que l'art était une arme. Dans l'immense œuvre qu'il lègue, l'intention didactique et pédagogique est évidente. C'est un patrimoine à préserver. De sa retraite céleste, il continuera à regarder le grand film truqué de la vie avec le sourire ou la rage de l'éternel combattant, sans sa pipe. Pays, en sera Farafina, en Gasso. Ici, pas qu'en sous-concentration. Pays Bougainval, fini. Oh, pays, Guerra foutu lui, rien dans la tête. Comme Coco Cassé. Le monde de la chanson aussi se sent touché par le décès de Sam Ben. Vous savez que Sam Ben a eu beaucoup de refus à me parler de musique.
Il a été touché par la musique que nous avons eu l'occasion de faire avec des chanteurs comme Baba Mal ou Nusrat Khalifa et Peter Gabriel sur la musique du film La Dernière Tentation du Christ. Il était très sensible à des envolées de la musique. Donc l'image va toujours avec le son. Et je crois que aujourd'hui, le monde artistique, que ce soit les images, que ce soit les sons, ont perdu un grand monsieur. Tant sur le travail technique que sur le message, son discours de panafricain, comme on a pu l'entendre aujourd'hui par ces nombreux témoignages venant de partout. Nous faisons partie d'une génération qui courait derrière Sambel Ousmane, Senghor, Birago Diop. Mais c'était nos aînés et nous sommes la génération qui a suivi Sambel. J'étais très jeune, adolescente, quand j'ai vu un de ses films Tiado. Et ça m'a laissé une très forte impression parce que c'est la première fois que je voyais une vision positive du Tiado. C'est-à-dire le Tiado représentant nos valeurs africaines, indépendantes du monde arabo-musulman et du monde occidental. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais en classe de première, je me rappelle dans mes lectures avoir lu Les Bouts de Bois de Dieu. Je me suis dit, des gens qui sont restés des jours et des jours sans manger, des gens qui se battaient pour attraper un rat afin d'avoir de quoi manger. Je me suis dit que je n'avais plus le droit de dire que j'ai faim, que j'étais fatigué. J'en ai tiré une leçon qui m'a guidé dans mes études et il m'est arrivé, à partir de leur expérience à eux, à la faculté, de rester assis de 16h à 6h du matin, d'aller dans ma chambre, de revenir faire ma dernière composition en licence d'histoire. Et cette force-là, je l'ai tirée de la lecture que j'ai eue de l'œuvre du roman de Sembène, Les Bouts de Bois de Dieu. C'est aussi un homme engagé, quelqu'un qui a été le témoin de beaucoup des combats de son époque, qui a été un acteur, non seulement un témoin, mais un acteur de tous ces combats. Et c'est à cette très grande personnalité de l'art contemporain que je venais rendre hommage. Quelle est l'œuvre d'Ousmane Sembène qui vous a le plus marqué? Vous en avez déjà lu? Oui, j'en ai lu plusieurs, comme Docker Noir, Au pays, mon beau peuple, Les Bouts de Bois de Dieu. Bref, j'en ai lu beaucoup. Quoi. Son cinéma était un cinéma qui était très proche de nos réalités. Son œuvre aussi. Vous connaissez Le Mandat, hein, vous connaissez ses films Tiado, Le Camp de Tcharoï, tout cela, c'est des œuvres qui nous ont marqués. Vous savez que Sembène est resté avec l'idée de mettre sur l'écran Samori. La dernière fois quand je l'ai vu, je lui demande, il me dit oui, mais... Et c'est quelqu'un aussi qui pensait pour l'avenir. Il a dit oui, bon, j'ai fait ce que je devais faire. Il appartiendra à la jeune génération de faire son Samori. Je pense qu'il était conscient aussi de ses limites. Et je pense que l'héritage le plus fécond que la jeune génération aura surtout à apporter, c'est de pouvoir terminer cette œuvre qui constitue l'œuvre la plus monumentale, si je me réfère un peu à ce motif. Dakar se réveille avec la mort de Sembène Ousmane. Pourtant, son corbillard traverse la ville dans l'indifférence totale de la population. Voilà toute la différence avec la mort d'un homme politique pour laquelle l'État se donnerait les moyens de mobiliser la population au bord des artères de la ville pour accompagner le corps jusqu'au cimetière. Cela fait partie des mondanités politiques. Nous sommes au cimetière de Dakar. Les morts entendent nos pas.
Ils savent aujourd'hui qu'il y a un nouveau parmi eux. Et pas n'importe lequel. Kor Ousmane Sembène. Il n'y a rien à retenir, lui c'est notre maître. C'est notre maître qui s'en va, il n'y a rien à retenir. C'est tout. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait croire que le cinéma était possible en Afrique. C'est un combattant de la liberté, un militant, c'est ce qu'il faut dire. C'est tout. C'est un modèle, quoi. C'est notre maître. C'est notre maître qui s'en va. Voilà, c'est tout. Je n'ai jamais vu de ma vie autant d'interviews au cours d'une cérémonie de deuil. Peut-être que la mort de Sembène a servi à certains. Comment peut-on arrêter une parole déjà lancée? On me pardonne. Le moment devient dur et pénible. On creuse facilement le sable car Dakar est une presqu'île pleine de sable. À la différence de Bamako, ma ville natale, où la terre est parfois plus dure que la pierre. Des hurlements, du chuchotement, des cris. On a l'impression que les gens portent en eux une certaine culpabilité. Sauf celui qui a vécu plus de 25 ans avec Ousmane. Tiens, c'est son fils adoptif, Monsieur Delgado. Il est le seul à porter réellement le poids du deuil de Sembène Ousmane. Moi, je me cache derrière ma caméra pour ne pas faire voir ma tristesse, mes pleurs et ma douleur. Cependant, même ma caméra n'arrête pas de trembler. Je peux avoir votre grosse impression. Samba Sall, je suis cinéaste. Comment? Samba Sall, je suis cinéaste. On s'était rencontré lorsque. Où ça? À Dakar. Ah oui? C'est le pays qui est. Thank you.
Que voulez-vous que je vous dise? Avec tout le respect, je ne comprends pas ces sourires dans ces moments durs et pénibles. Peut-être est-ce une manière de banaliser la mort, de l'oublier, de supporter, ou c'est tout simplement un problème culturel, une incompréhension. C'est rien, ça. Non. Ça devient sérieux. Quand ça dépasse 70... Le grand sculpteur mondialement connu, Ousmane Sow, est là. Et nous parlons d'âge. Chacun de nous a dépassé la soixantaine. Et nous avons peur. Nous avons peur de la mort. Pourtant, elle est inévitable. Je ne sais pas qui c'est ce garçon devant ma caméra. Il souffre terriblement. La douleur se lit sur son visage. La souffrance ne l'épargne pas. Le monde lui devient trop petit. Il doit être un proche de Sem Ben Ousmane. Moi, je suis un enfant gâté du cinéma. Ouais. Tous les papas m'ont gâté. Ouais. Tous sans exception. C'est vrai. Tous. C'est vrai. Je suis gâté. C'est ça qui me fait faire du cinéma. Ouais. Je n'ai pas la force de me retenir. Des larmes invisibles coulent sur mon visage. Je n'ai plus la force de tenir ma caméra. Je me sens seul au milieu de ce monde d'inconnus. Thank you.
Si c'est vrai pour les grands philosophes, les morts ne sont jamais morts. Ousmane Sembène ne ressuscitera pas. Il sera toujours là, à nous accompagner dans notre combat vers l'indépendance, la liberté, ce qui a d'ailleurs toujours été sa vision. Même s'il reconnaissait qu'écrire dans une langue étrangère les émotions, les douleurs, les joies, le bonheur de son peuple, ne répondait pas aux exigences du pays. Si tu poses la question aux religieux, ils vont te dire il y a une autre vie. Bon, je veux bien y croire, mais enfin, on va voir. Ok. Ça va, sinon? Non, je suis au bureau. Moi. Allez, bye bye. D'accord. Ah bon? D'accord. Ah oui, tu as deux portables, tu es une bosse, toi. Ok. Ah bon. D'accord. Ok. Allez, bye bye, au revoir. Ciao. Bye. C'était qui? Bah, j'ai une copine, moi. Elle m'appelle pour me présenter des condoléances. Elle te dit, elle te demande de ne pas pleurer. Et ouais. Non, elle m'a dit, je t'ai vu à la télévision, tu es en train de pleurer. J'ai dit, alors pourquoi? On t'a pas pleuré, non? C'est humain, non? Non, c'est humain. Et puis voilà, c'est ça, c'est après. Je suis revenu l'après-midi parce que ma fille m'avait demandé de venir voir parce qu'il y a ses parents qui ont dit qu'ils allaient l'hospitaliser. Et ça, tu vas pas l'enregistrer, ça. Non. Ça, c'est assez interne. Tu étais avec la gendarmerie ou la gendarmerie? Dem fendi ma bago manu ne ler gangi ki kenen man mangi chillanda khamna le mai ki ko dep suma deme bay mere tuma mere kudul sama bop tem man ma seti bay ba Viri viri gyarendare Viri viri gyarendare Nare Amnadam Dembu femku uti Moy mu dox te kuma dox ci sen kaw
talib maiki ko deb suma de me bay me duma mere kudum sama bop de mama seti ba L'océan continue à rendre hommage à Hassan Ben Ousmane. Le dernier drapeau de Ousmane Sembène flotte au-dessus de sa mystérieuse maison. Sembène a vécu ici plus de 35 ans de sa vie dakaroise. Il a écrit beaucoup de romans, de scénarios, d'essais. Il aimait boire, fumer. Il avait l'allure d'un occidental. Ça n'était pas méprisant, mais plutôt le côté qui lui semblait positif. Ben, ce qui t'appartient hier dans cette maison ne l'est plus à partir de cet instant. Ce sont ces hommes, ces femmes qui décideront du sort de tes biens, de tes œuvres. Mais nous osons espérer que tes héritiers seront à la hauteur de ton travail et qu'ils sauront faire la part des choses en faisant de ta maison un lieu de convivialité, rencontre des hommes, des femmes, de toute nationalité, de toute culture. J'espère que chacun saura mesurer la dimension de ta lutte, de ton combat pour l'indépendance. Thank you.
Ben, je me souviens de cette photo prise à Rotterdam en 1978 lors de la projection de mon film Bara. Tu m'avais dit des choses très fortes qui te ressembleront toujours. J'ai compris alors que tu n'étais pas seulement un cinéaste, pas seulement un écrivain, mais surtout un humaniste. En parlant de l'Afrique, tu rêvais d'une justice et d'une paix universelle. Je me souviendrai toujours de ces instants de notre amitié. C'est bien d'aller à Cannes, mais je souhaite que l'Afrique crée sa ville. Nous avons fait ce parcours. Ne soyons pas les gens qu'on invite tout le temps. Nous avons créé, enfanté le festival, qu'on nous porte. Et c'est ça. Qu'un cinéaste africain soit à Cannes, c'est bien deux encore, c'est mieux dix encore, c'est mieux. Il a été membre du jury, c'est pas mal. Mais reconnaissons d'abord la qualité de nos œuvres et de nos artisans. Même si les autres nous ignorent, est-ce que nous avons le droit de nous ignorer? Moi, non. S'ils ne me choisissent pas, je n'ai pas demandé à être élu. Mais ils travaillent bien. Il faut le reconnaître. Il faut une très bonne publicité. Que lui, son festival, le FESPACO, ne bénéficie pas de cet écran de publicité. Il faut cela. Il nous faut cela. C'est à nous de créer nos valeurs, de les reconnaître, de les porter, de les transporter à travers le monde. Le continent africain abandonne peu à peu ses langues nationales. Et c'est pour ça que Sembène a choisi sa langue maternelle, le Wolof, pour mieux exprimer les préoccupations de son peuple, pour la défense de son intégrité, son indépendance culturelle, politique, économique. Voilà pourquoi Sembène a choisi le cinéma, l'art le plus populaire et le plus accessible à tous les citoyens du monde. Ces langues que tu as défendues avec acharnement et toute ton énergie sont en train de disparaître, comme dans les pays latino-américains. Alors que faire? Quelles dispositions prendre? Si aujourd'hui, nos politiques n'ont pas le courage d'affronter ces graves problèmes, ce sera la mort de l'âme d'un continent. Rassure-toi, Sembène. La lutte continuera. Come on.
Fatan, Moulad li Osman Simbel. وتقول أن المهرجان تعتبره مهرجانا مهما من حيث المهرجانات العالمية. Je suis de ce peuple, de ce continent, et je ne suis pas parlementaire. Je vous remercie pour l'appréciation que vous avez pour notre travail. Merci. Ostrovski, l'écrivain russe, disait « Ce que l'homme possède de plus précieux, c'est la vie. » Elle ne lui est donnée qu'une seule fois. Il doit la vivre de façon à ne pas regretter les années inutilement vécues, à ne pas rougir de honte devant son passé lâchement mesquin, pour qu'un jour, en mourant, il puisse dire « Toute ma vie et toutes mes œuvres, je les ai consacrés à l'œuvre la plus sublime qui soit, à l'affranchissement de l'humanité. » Это
mais a big kumba fal borom faragati janjar diem daba ma day dayo indi galbal jambori gelkom jambori gelkom digalo iwal jambari l'islam nena le zoi nena le zwaul mazabi Falo Nigel Fal Jambar in Islam Jambar is Kelkom Nina Le Soi Nina Le Swahul Jamam digal bayi gor fal may sa bigé kuma fal Jamaro indigal may sa bigé kuma fal Jamaro indigal may sa bigé kuma fal Njara ma gali bayi gor fal malayo fal may sa bigé kuma fal nenale zoi nenale zoi Digu daligum wala gis rek ni waw gis dama wara fer digu digu wara khot jangal ci bir bulé bulu jow rek go koy le soy nina le swahul ndaro manigal baye gor ndara mayo fal jambaro ni la gordi melval jambaro ni la gordi melval gorbu done bayam tu mam wajna val mai zabige kumba val yezeto ibraval mai zabige kumba val sama mi braval afeyan mahamadu bamba jambaro ni galval nenale zoi nenale Jambar in Islam,